Salut les gars, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez courte que je vais vous faire, mais une vidéo qui risque d'être utile pour vous. En tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça risque de vous intéresser. Je vais vous présenter comment avoir des contrats et des cartes formes gratuitement sur FIFA Ultimate Team 20. J'avais déjà fait ce genre de vidéo sur les autres FIFA, mais je pense que chaque année c'est toujours bien de vous représenter le concept pour avoir ces cartes gratuites. Donc je vais vous présenter ça tout de suite les amis. Alors déjà, allons tout de suite dans l'équipe pour appliquer des cartes formes et donc des contrats. On va commencer avec les contrats les amis, et on va aller voir ça de suite. On va aller voir un joueur par exemple que j'ai là, Teles, il me reste 3 de contrats. On va pouvoir lui appliquer des contrats les amis évidemment. Et je vais vous montrer pourquoi je vais avoir des contrats gratuits. En fait, vous pouvez voir que sur les cartes de contrat, par exemple si je vais appliquer cette carte là, normalement j'ai plus 28 pour un joueur or. Sauf que là actuellement j'ai plus 38 contrats. Et si je l'applique par exemple, mon joueur a 41 contrats et non pas 31. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai tout simplement ces bonus qui te permet d'avoir des contrats gratuitement. Comme vous pouvez le voir là-dessus, à côté donc de la carte du joueur plus la carte contrat, vous avez une chemise, une sorte de cravate avec marqué bonus contrat 37%. Et je vais vous expliquer comment activer et comment utiliser ce bonus et comment l'utiliser au maximum. Alors ce bonus contrat, je vais vous montrer de suite, avec les cartes qui sont dans mon club, arrive à 37%. Mais pourquoi 37%? Et bien en fait, les personnels, et ce sont les entraîneurs qui vont jouer ce rôle. Et en fait, ces entraîneurs vont vous permettre tout simplement d'augmenter votre bonus contrat et tout simplement d'avoir donc des contrats gratuitement. Alors là, par exemple, ça a l'air de pas marcher parce que actuellement mes entraîneurs ont tous plus 0 en négociation. Normalement, c'est le petit bonus qui doit s'afficher en plus 1 pour une carte or non rare, en plus 3 pour un entraîneur or rare et pour un plus 2 pour un argent non rare et plus 1 pour un bronze rare également, tout comme les cartes or non rare. Et je pense que si je fais le calcul rapidement de tous les entraîneurs que j'ai dans mon club, je dois arriver à 37%. Et donc c'est pour ça que j'ai tout simplement ces bonus gratuits de contrat pour mes joueurs. On va faire un test tout simplement. Donc les amis, pour tester ce bonus, pour vous montrer comment ça marche, on va par exemple acheter un entraîneur or. On va acheter un entraîneur n'importe. On va acheter lui par exemple, il joue en Suisse. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Je vais juste l'acheter pour vous montrer. J'espère surtout que je l'ai pas dans mon club. Non, je l'ai pas. Je l'envoie dans mon club. Et donc normalement là, vu que c'est un entraîneur hors noir, je dois avoir plus 1. Donc du coup les amis, après avoir acheté votre entraîneur, il faut quitter et revenir sur le menu Ultimate Team. Je viens de le découvrir avec vous parce que j'ai voulu faire l'exemple mais j'avais 37%, donc ça veut dire que ça n'avait pas marché. Mais effectivement, en quittant et en revenant dans le menu, vous allez pouvoir voir votre bonus contrat arriver à 38%. Donc ça veut dire que plus vous avez d'entraîneurs dans votre club, plus vous allez avoir des contrats gratuits. Donc certes, c'est un petit budget on va dire pour avoir ce bonus contrat, mais ce bonus peut vous permettre d'économiser beaucoup de crédits sur la durée. Donc je vous invite les amis à acheter un maximum d'entraîneurs, que ce soit donc bronze rare, argent rare, or non rare et or rare, pour améliorer ce bonus. Et donc si je me trompe pas, ce bonus doit pouvoir être augmenté jusqu'à 50%. Arrivé 50%, ça n'augmente plus, tu pourras pas aller plus haut. Donc du coup je vous conseille d'acheter des entraîneurs pour atteindre ce fameux 50% de bonus contrat et d'avoir des contrats gratuitement. Et au lieu d'avoir 28 contrats sur une carte or rare de contrat, vous allez pouvoir avoir donc 28 plus 50% de 28, ce qui fait 14. Vous allez pouvoir avoir 42 contrats sur une seule même carte de contrat. Donc ça vaut vraiment beaucoup le coup, ça vous permet d'économiser des crédits si vous n'avez pas beaucoup de contrats dans votre club. Donc du coup, maintenant que je vous ai expliqué comment ça marche pour les contrats, c'est tout simple les amis, ça marche pareil pour les cartes formes. Par exemple, appliquons une carte forme ATLS toujours. Donc par exemple, on va aller dans forme qui est juste là. Donc 60, c'est pas très intéressant. Par exemple, je vais vous présenter avec une carte forme argent à 40 plus 40. Normalement, donc je dois être censé arriver à 76 de forme. Sauf que là, j'arrive à 92, donc c'est pareil, c'est parce que j'ai un bonus de forme qui est à 41%. Et celui-ci, pour l'améliorer, c'est vraiment tout simple. Vous avez des entraîneurs spéciaux pour la forme. Je vais vous montrer ça dans mon club. On va aller dans personnel. Si je mets rôle entraîneur préparateur physique, je crois, c'est ça. C'est préparateur physique, voilà. Et avec tous les préparateurs physiques, et ben vous allez pouvoir augmenter votre bonus. Vous le voyez juste ici. Pour un or rare, c'est 5%. Pour un or non rare, c'est 3%.
et pour un bronze c'est 1%, je pense que pour un argent ça doit être 2, donc du coup voilà les amis, je suis à 41%, je n'ai pas besoin de vous remontrer, hein, je ne veux pas acheter de bonus bonus d'entraîneur, de préparateur physique pour ce bonus là parce que j'en ai pas besoin pour l'instant, mais voilà, je pense que vous avez compris comment ça marche. Et du coup si j'applique une carte forme à 40 à TLS, et bah tout simplement ça va lui permettre d'augmenter de 56 grâce à ce bonus contre forme qui est de 41%, tout comme les bonus contrat, ça peut pas aller au dessus de 50%, voilà, je vous préviens, mais bon, ça peut être quand même très utile, parce qu'en général, c'est rare que vous avez des joueurs à court de forme comme ça, comme je les ai dans mon équipe. Et si vous vous demandez pourquoi je joue avec des joueurs à 23 de forme, tout simplement parce que actuellement, en lançant des matchs sur FUT, les joueurs ont automatiquement 100 de forme, donc ça m'évite d'appliquer des cartes formes qui coûtent quand même assez cher si c'est des formes équipes, et donc ça me permet d'économiser des crédits tout simplement, parce que pour l'instant, bah, si mes joueurs ils débutent avec 100 de forme, je m'en fous qu'ils aient 23 sur la carte, ça change rien du tout. Et du coup aussi, au passage, le bonus forme marche également évidemment pour les équipes, les formes équipes, donc ça peut être très intéressant si vous achetez par exemple une forme équipe à 30, et bah au lieu de vous l'acheter certes peut-être 800 crédits, mais grâce au bonus forme que vous aurez grâce à vos préparateurs physiques dans votre club, et bah vous allez pouvoir augmenter de plus environ 45 de forme pour chaque joueur de votre équipe. Au passage, même si je pense que c'est beaucoup moins intéressant et je vous invite pas forcément à le faire, mais vous pouvez utiliser également ces sortes de bonus pour les cartes soins, parce que bah vous avez des bonus kinés pour les cartes soins, mais bon, en général t'en as pas besoin, c'est très rare que les joueurs se blessent plus d'un match, donc en soi c'est pas très important. Et pour les entraînements pareil, vous avez des bonus entraîneurs, mais ça aussi je vous le conseille pas, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on utilise des cartes entraînement sur nos joueurs. Alors certes vous pouvez le faire en Rivals, mais vu qu'on peut pas le faire en FUT Champion, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de jouer avec des joueurs boostés comme ça. Donc c'est pour ça les amis que je vous invite pas forcément à faire à acheter des entraîneurs pour ces types de soins ou de entraînement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez été utile. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez des doutes, etc., n'hésitez vraiment pas. Pour vous montrer, au final, je vais vous montrer un dernier exemple avec par exemple Varane. On va lui mettre une carte forme. Comme vous pouvez voir, normalement, ça doit lui faire plus 40. Là, ça lui fait plus 56. Pour les cartes bronze, pareil, on va lui mettre une pour rigoler. Ça y remonte à 69 de forme. Et pour les contrats, pareil, au lieu d'avoir par exemple plus 13, il a plus 17 avec ce bonus contrat que je vous ai montré. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On s'arrête là. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour répertorier au maximum cette vidéo et pour qu'un maximum de personnes la voient. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas fait les amis. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez. Les liens sont en description. En tout cas, c'était Aya, pour ce nouveau. On se retrouve pour une prochaine. Et bye tout le monde.